En Centrafrique, après l'annonce par un député de la majorité présidentielle jeudi 26 mai d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale portant de modifications de plusieurs articles de la Constitution, dont celui qui instaure un verrou de deux mandats pour le chef de l'État, l'opposition dite démocratique, qui regroupe les principaux opposants centrafricains, est montée au créneau. Qui veut déstabiliser le pays? À qui nuira une réélection du président Ouattara? Le lobby, en fait, France-Afrique, qui s'oppose à une réélection de Touadéra, c'est un homme jeune qui n'a pas fini son action et, au contraire, qui est en train de redresser le pays. Un non-renouvellement du troisième mandat de Touadéra signifierait le retour de la Centrafrique à l'anarchie. Et la soi-disant opposition dite démocratique, ce sont les gens qui précédemment ont soutenu en coulisses les tentatives de soulèvement, de putsch, etc., de rébellion armée, et qui voudraient voir le pays ressombrer dans l'anarchie. Mais ce qui se pose, c'est la question en Afrique du troisième mandat. La thématique du troisième mandat est une thématique purement américaine et occidentale. Elle a été introduite en Afrique à la fin de la guerre froide en 1991, par le fameux discours de la Baule de Mitterrand, qui venait porter les valises de Bush père du nouvel ordre mondial. Elle a plongé les pays d'Afrique dans la guerre civile et le malheur, en particulier le Congo-Brazzaville et le Zaïre, d'ailleurs, qui ne s'en est jamais remis, puisque ça a été 25 ans d'instabilité, d'anarchie, de guerre civile, d'agression étrangère et de rébellion permanente. Actuellement, évidemment, la thématique du double mandat, elle est contestée partout ailleurs en dehors du monde occidental, notamment par les Chinois et notamment par les Russes avec leur démocratie russe souveraine. Voilà pourquoi, donc, évidemment, les gens qui s'opposent à une modification de la Constitution et à un troisième mandat de Touadéra, ce sont les partisans de l'ordre occidental. Et ceux qui voudraient que l'Afrique continue, et en particulier la Centrafrique, continue à vivre dans l'anarchie, le sous-développement et le néocolonialisme. Touadéra, la question de la réélection de Touadéra ne se pose pas parce qu'il est extrêmement populaire, mais la question, il faudrait tout d'abord, c'est un préalable, c'est le vote de la modification de la Constitution. Les réélections de Touadéra étant évidemment moins problématiques. La question se posera dans les 2 années à venir. Touadéra donc a été réélu en janvier de l'année passée et normalement il est élu pour un mandat de 4 ans. Le mandat de Touadéra a eu lieu en 2015. À l'époque, évidemment, c'était un président sans pouvoir. C'était un candidat surprise puisque il a été élu grâce à l'aide du président de Guinée équatoriale, Omiyagnemad Bassongan, mais personne ne l'attendait. Et à l'époque, les Français prétendaient que c'était un candidat inconnu sans légitimité, alors qu'il avait été le meilleur premier ministre de la dernière période de Centrafrique. Mais à l'époque, il ne contrôlait pas le pays qui était dominé par les groupes armés et la MINUSCA. Il ne contrôlait même pas tous les quartiers de sa capitale, puisque des quartiers rebelles, les PK5 et PETA13, étaient en soulèvement permanent. Aujourd'hui, en janvier 2021, avec l'écrasement de la tentative de putsch de Bozizé par les FAKA, les paramilitaires russes et les soldats casque bleu rwandais, il a repris le contrôle de plus de 90% du pays. C'est le véritable président d'un pays dont il est en train de rétablir la souveraineté sécuritaire, géopolitique et économique. Et évidemment, c'est un défi permanent aux Occidentaux. Il y a encore 3 jours, il y a eu un bruno, c'est-à-dire une nouvelle campagne du State Department contre le soi-disant groupe Wagner qui n'existe pas, dans lequel on attaque violemment les paramilitaires russes et en particulier l'ensemble des pays, le Mali, les pays du Golfe de Guinée, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, mais particulièrement la République centrafricaine.
Et on comprend mieux, évidemment, l'hostilité occidentale américaine et française à cette règle du troisième mandat.